Donc voilà, alors les titres, introduction à la sécurité, adaptation des développeurs web. Le titre, c'est bon. Pourquoi ça, vous l'avez peut-être déjà vu, c'était en fait, c'était voilà, plutôt la présentation. Pourquoi principalement parce que est-ce qu'on est capable vraiment, en tant que développeur web, de juger le niveau de sécurité de ce qu'on a fait des fois oui, au début, souvent non. Est-ce qu'on respecte les bonnes pratiques du métier? Est-ce qu'on sait au moins quelles sont les bonnes questions à se poser? Au moins pour pouvoir juger, de se dire bon, ce que j'ai fait un jour, il faudra que je regarde. Et le risque, sinon, toujours, hein, c'est qu'on se fasse rappeler pendant les vacances ou un dimanche, en disant c'est la cata, le site est tombé, Google ne peut plus indexer le site ou des choses comme ça. Pourquoi réfléchir à la sécurité aussi? Pour moi, je pense que c'est très, très, très formateur de réfléchir à la sécurité. On apprend énormément de choses parce que ça force à regarder un petit peu plus dans le détail. Ça force à lire les documentations. C'est vrai qu'il vaut mieux avoir une bonne raison de lire les documentations, sinon on ne le fait jamais. Et je trouve que c'est amusant. Alors, là, tout le monde ne trouve pas que c'est amusant. Moi, je trouve que c'est amusant. Pourquoi? Je pense qu'on peut voir la sécurité comme un défi. Que trouver des failles dans un système, c'est une des choses qui peut pousser à faire de l'informatique, c'est-à-dire. Des fois, on aime bien regarder un système et trouver la faille. C'est une pensée assez récréative, voilà. Alors, j'ai mis des bounty. Voilà. Le principe des bounty, il y a beaucoup de programmes, de sites web, de gros sites web aujourd'hui, qui offrent des bounty si vous trouvez des trous de sécurité dans le monde de l'open source. Donc, ça peut être du vrai argent, sonnant et trébuchant. Si vous trouvez des trous sur Facebook, sur des très bons payeurs, vous pouvez gagner de l'argent si vous en trouvez sur GitHub, sur des gros sites comme ça, même sur des projets Apache, Nginx et autres, vous pouvez essayer de récolter des bounty. De là, vous en faire un salaire, ça ne va pas être facile non plus, mais vous pouvez toujours essayer. Est-ce qu'on peut aussi étendre ce principe de bounty à dire aussi entre collègues ou entre amis, voilà, j'ai fait un programme, tu regardes et si tu me trouves un bug, je t'offre une bière. C'est tout bête, mais voilà. Juste la carotte. Si vous faites ça, la personne qui a une connaissance et qui va vous aider, vous allez perdre une bière, vous allez gagner une bière, mais déjà c'est sympa, et puis vous allez certainement apprendre plein de choses. Et voilà, on est dans une technologie de la compétence, surtout en termes de sécurité, de la connaissance, je veux dire. Voilà, il faut que ça se partage si on veut avancer. Alors la sécurité, globalement, c'est très 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 vaste. Les experts en sécurité, ils travaillent sur tout. Il y a toutes les procédures humaines autour d'un système, et l'humain, c'est souvent la principale faille. Donc un vrai expert en sécurité, le code, à la rigueur, c'est pas trop son problème. Lui, il va dire, il suffit que je téléphone au patron en disant que je suis technicien, et il me donne une passe. Ça, c'est la faille humaine, et la faille dans les procédures, c'est souvent beaucoup plus complexe à gérer. Mais à notre niveau, à nous, on va s'occuper des programmes. La sécurité, ça touche aussi à la gestion des sauvegardes, la gestion de la redondance des machines, la gestion des pannes, qu'est-ce qui se passe, etc. Ça touche à plein de choses de la sécurité. Alors, le principal problème de la sécurité, c'est que quand on monte un niveau de sécurité, on fait très fortement descendre le niveau de confort pour l'utilisateur. S'il n'y avait pas de mot de passe, s'il n'y avait pas de choses comme ça, ce serait beaucoup plus facile. Si on met trop de sécurité, l'utilisateur il a tellement d'inconfort qu'il prend une voie détournée. Et là, c'est ce qui peut arriver de pire. Donc, il faut trouver le niveau juste. Il faut trouver le niveau qui est adapté aux enjeux. Si vous mettez une énorme sécurité avec un double certificat où il faut stocker ce certificat sur disque, comme il y avait sur les impôts il y a quelques années, vous avez tellement de problèmes, et ce n'était peut-être pas le niveau juste. Ils ont baissé au fur et à mesure le niveau de sécurité. Aujourd'hui, pour déclarer ses impôts, il n'y a plus besoin d'avoir un certificat SSL sur le poste. Donc voilà, il faudra garder cette image à l'esprit. Alors, comment trouver le niveau juste? Il faut essayer d'analyser la situation dans laquelle vous êtes. Donc déjà, est-ce que votre contenu est statique ou dynamique? Si vous arrivez à faire un site web où tout le contenu est statique, vous êtes dans le paradis en termes de sécurité. Il y a très très peu de choses que l'attaquant pourra faire. On va faire des choses, mais très peu. Dès que vous offrez des fonctionnalités dynamiques, ça devient beaucoup plus compliqué. Est-ce qu'il y a des contributions privées au site ou est-ce qu'il y a des contributions publiques? Si le client est le maître de toutes les contributions sur son site web,
Il y a certainement beaucoup, beaucoup de trop de sécurité, mais le client n'a pas forcément envie de détruire son site web. Et dès que vous ouvrez des contributions publiques, des commentaires, des articles, des liens, etc., au public, ça devient très compliqué. Vous remarquez que Facebook, par exemple, n'autorise pas le HTML. C'est que du texte. C'est très compliqué d'autoriser le HTML. Est-ce que le code source est public ou privé? Donc si le code source est privé, c'est plus dur de trouver les failles. En même temps, si le code source est public, il y a plus de gens qui peuvent vous aider à les trouver. Est-ce que ce code est réutilisé sur d'autres métiers ou pas? Donc, un code qui est très réutilisé peut avoir plus de problèmes. Est-ce qu'il n'est pas forcément utilisé comme il devrait? Est-ce que l'hébergement est privé? Est-ce qu'il est partagé? Est-ce qu'il est mutualisé? Du code source qui est sur un hébergement mutualisé, c'est bien déjà plus problématique. Sur un hébergement mutualisé, la sécurité du projet plus faible, c'est la sécurité de tous les projets sur la machine. Etc. Alors, les pédonazis d'Internet. Ça, c'est le problème dès qu'on parle de sécurité. Il y a la politique, il y a la culture, il y a plein de choses qui s'en mêlent, et tout de suite, on imagine des choses un peu floues. Sauf que l'immense majorité des attaques réelles sur Internet, ça provient de problèmes internes. Donc, vous faites un intranet pour votre client, il y a beaucoup plus de chances que s'il y a un problème de sécurité un jour, c'est parce qu'il y a un employé qui va être licencié, qui a une bonne connaissance du projet et qui décide de se venger en partant, plutôt qu'un pédonazi d'Internet qui décide d'aller casser cet intranet. Donc, la sécurité, ça n'est pas se protéger que de l'extérieur. C'est aussi bien cloisonner qui peut faire quoi dans l'application, notamment. Donc, les robots qui scannent Internet existent quand même. Si vous laissez des gros trous, il y a des robots qui trouveront les failles et qui retrouveront. Il faut penser, c'est pour ça que vous parlez de sécurité, il y a aussi le risque de mauvaise manipulation. Vous avez un CMS, vous donnez le compte admin à votre client, il y a des chances qu'il vous casse le CMS. Et ce n'est pas forcément parce qu'il voulait le casser. Donc la sécurité, ce n'est pas forcément quelqu'un qui veut casser le site. Mais pourquoi est-ce qu'on lui laisse la possibilité de le casser? Et donc s'informer sur la sécurité. Alors il y a tout un domaine qu'on appelle le ethical hacking. Pourquoi? Parce que en sécurité informatique, le savoir, il est ouvert, le savoir est disponible. Il faut le partager. Il faut absolument que les admins, les développeurs, prennent connaissance de ce savoir-là, parce que les autres aussi le font. Donc, il faudra mieux que tout le monde le partage, ce savoir. On peut utiliser toute cette connaissance pour créer de meilleurs projets et pour réparer des projets qui sont mal conçus. Et c'est ça le truc avec eux. On peut aussi utiliser exactement le même savoir pour détruire. D'où le problème. Et le fait que dans les études universitaires, dans les études des écoles d'ingénieurs, etc., on ne donne pas cette connaissance assez rarement. Parce qu'en fait, on a assez peur des gens qui ont entre 18 et 20 ans, qui n'ont pas d'enfants, qui ne sont pas super matures, qui veulent draguer des filles, etc. Voilà. On a peur du manque de maturité au moment où on donne cet enseignement. Donc très souvent, il faut aller le chercher soi-même. Voilà. Puisqu'au bout d'un moment, on est quand même des adultes raisonnables et on comprend que si on s'en sert pour des mauvaises choses, on risque de passer 5 à 10 ans en prison. Donc on ne le fait pas pour des mauvaises choses. Voilà. Alors le côté obscur est beaucoup plus facile, forcément. Voilà. Donc moi, j'espère que tout ce que je vous dis vous en servirez plutôt pour du ethical hacking. Devenir expert dans le domaine, ça demande vraiment du temps, par contre, puisque forcément, devenir expert, ça veut dire devenir expert sur plein, 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 plein de choses. Moi, je ne suis pas expert dans le domaine. Enfin, c'est difficile pour n'importe qui de se dire vraiment expert. Par contre, on peut toujours progresser. Il y a des recettes, des habitudes à prendre, il y a quelques points clés, et puis il y a du savoir qui est compilé, et notamment, il y a un site là, que je mets en lien qui s'appelle le OWASP, qui sort tous les ans le top 10 des choses. Des attaques les plus courantes, des choses qu'il faut vraiment veiller à contrôler sur ces sites web. Le OWASP, pour le développeur web, tout ce qui est inscrit dans ce site, vous devriez le connaître. Donc le regarder de temps en temps. Voilà. Après, dans la définition hacker contre cracker, je vous mets quelques liens. Donc là, aujourd'hui, on n'a pas le temps de les lire, mais Eric Raymond, notamment, qui est vraiment sur des choses comme ça, a écrit des textes assez intéressants. La grande différence, on va dire que les hackers, les vrais hackers, c'est ceux qui construisent. Les crackers, c'est ceux qui détruisent.
Alors, on appelle aussi, il y a deux termes vraiment très connus qui sont black hat et white hat. C'est à peu près la même différence. C'est-à-dire que dans les spécialistes de sécurité, il y a des gens qui ne sont pas forcément des white hat, des black hat. Il y a des gens, des fois, on vous demande, ça dépend des jours, ils sont. Normalement, vous n'êtes pas censé être le black hat. La différence entre les deux, surtout en termes juridiques, elle est assez importante. Alors, le premier. Il y en a qui vont en prison au bout d'un moment. Ou alors ils travaillent pour le service secret. Enfin, ça devient très vite compliqué la vie du black hat. C'est vos têtes qui vont en prison. À toi. Premier point à faire, en tout cas très attention, pas de zéro day. Le zéro day, c'est si vous trouvez une faille et que vous la diffusez publiquement. Donc ça ne se fait pas. Quand on trouve une faille, on la rapporte au jour du projet, on ne la rapporte pas sur le bug tracker public. On rapporte souvent, il y a une mailing list dédiée ou un bug tracker dédié ou des choses comme ça. Et on discute avec souvent un sous-ensemble du groupe de développeurs qui est chargé de gérer ce type de problème et qui va prendre du temps pour le régler. Et ce sera annoncé publiquement après. Il faut être patient, ça peut être très long comme temps. Si vous rapportez un bug sur Apache Proxy, je pense que ça prend 2-3 heures à être corrigé. Si vous rapportez un bug sur Apache, ça peut prendre 2-3 mois. 4 ou 5 ou 6. Voilà. Moi, j'ai un bug aussi sur Trupal, par exemple, qui a 1 an et demi. Donc, il faut être patient. Il y a des choses, des fois on trouve le bug, ouais, c'était facile à trouver, la correction, c'est pas toujours aussi facile. Donc, il faut être vraiment très patient. Et même une fois que c'est publié, il est conseillé d'attendre au moins 3 mois avant d'expliquer vraiment en détail quel était le bug. Le temps que tout le monde ait mis à jour son site, plus ou moins. Alors, une publication en désaccord avec les gestionnaires du projet, ça peut se faire, ça peut exister, mais il faut que ce soit justifiable. Il faut que vous puissiez dire. Que vous puissiez dire il était important que je le fasse parce que les gens couvraient un vrai risque. C'était trop facile, que je suis sûr que plein de gens connaissaient déjà la faille et que les gestionnaires du projet ne bougent pas assez vite. Là, vous allez sur Bugtrack, par exemple, et vous publiez, vous avez publié l'annonce comme quoi un bug existe et il n'y a pas de correctif. Alors, vous, développeur web, pourquoi? Où vous êtes dans tout ça? Très souvent, votre site il va être attaqué, ce n'est pas forcément pour vous. C'est principalement pour le serveur. Le serveur sur lequel le site est installé, il a des énormes capacités de calcul, il a souvent très bon accès à Internet. Si on peut placer sur ce serveur un robot de spam, un robot de référencement ou des choses comme ça, on va le faire. Quand il y a eu l'énorme faille sur Drupal de SQL Injection, les gens ne se sont pas servis pour détruire ou aspirer le contenu de Drupal, ils se sont juste servis pour poser des petits scripts qui servent à envoyer des spams ou à faire des pages de référencement. Donc c'est vraiment la principale cause, enfin la principale cible des attaques, c'est récupérer le serveur et ses capacités. Il y a aussi des gens qui vont attaquer des sites pour qu'ils fassent une liste. Et puis, il y a les données qu'il y a dans votre site. Il y a des données. Il y a, par exemple, si votre site gère des utilisateurs, peut-être que votre site il n'est pas du tout intéressant, mais il y a des utilisateurs qui ont un email et qui ont stocké un mot de passe. L'email plus le mot de passe, il y a de très fortes chances que vous preniez le même email que je l'ai écrit sur Gmail et que vous testez le mot de passe, c'est le même. Voilà. Donc des fois, on attaque des sites juste pour récupérer des mots de passe si les gens les utilisent ailleurs. Et puis, voilà, il peut y avoir des données dans votre site qui ne sont pas destinées à être publiées. Un site, je ne sais pas, n'importe quel client, il y a des données dedans qui ne sont pas forcément destinées à être publiées, c'est sûr. Et après, il y a une autre raison importante, c'est pour nuire, pour faire du chantage. Si vous avez un site qui, surtout s'il y a de l'argent, si le site rapporte de l'argent, s'il y a un jour dans l'année, par exemple, qui est très important, où ça rapporte plein d'argent, bah, en faisant un DoS, donc un denial de service sur le site, en le coupant, on dit au site, si vous voulez qu'il fonctionne demain, votre site, vous me donnez de l'argent. Donc, voilà, très souvent, on est obligé de payer pour que le site fonctionne. Donc, le chantage, ça marche très fort. Donc, comment éviter d'avoir des problèmes? La première difficulté pour nous, pour vous, développeurs, c'est la connaissance. Est-ce que vous connaissez le protocole HTTP? Pas forcément. C'est vous qui en faites votre connaissance. C'est-à-dire que le nombre de développeurs web qui existent en France, et on développe, et on fait des sites web, et on ne sait pas trop comment ça fonctionne en fait, HTTP. Est-ce qu'on connaît les différences subtiles entre un GET et un POST? Est-ce qu'on sait vraiment ce que fait JQuery Ajax derrière? Qu'est-ce qui se passe? Comment ça marche? Quels sont tous les arguments? Est-ce qu'on sait la différence entre un cookie normal et un cookie JS et un cookie flash, qu'est-ce que c'est? À quoi sert le fichier cross-domain.xml sur un serveur?
Est-ce que vous savez, voilà, quand vous mettez du JavaScript dans, dans une image en SVG, est-ce que vous comprenez OpenID? Est-ce que vous êtes capable de m'expliquer OpenID? Et donc, là, je ne suis pas là pour donner la réponse, il y en a certaines que je connais, la dernière que je ne comprends pas. Mais c'est pour vous donner une idée que les problèmes, ils vont se surchauffer d'endroits où on manque de connaissances, forcément. L'attaquant, lui, connaît quelque chose bien mieux que vous, et ils s'en servent. Et donc, voilà, une des solutions, c'est on se dit, OK, avant de travailler sur le web, on fait 10 ans de formation tous, ça va être compliqué. Donc ça ne marche pas, donc on a mis en place plein de nouveaux abstractions, et plus le temps avance, plus ça avance, plus il y a de nouveaux abstractions. Donc on peut se mettre à développer très vite et avancer. L'affaire de sécurité, très souvent, lui, il va jouer sur les niveaux limites de ces abstractions, les failles qu'il y a dans l'abstraction. Je vous conseille un très bon texte de Joël Spolsky, la personne qui est derrière Stack Overflow ou des choses comme ça, un ancien chez Microsoft, qui s'appelle The Law of Leaky Abstractions, et qui dit qu'en gros, tout niveau d'abstraction a des fuites, et que pour un développeur qui sait ce qu'il y a derrière l'abstraction, il y a toujours un moyen de passer à côté, mais pour un jeune développeur, c'est très très dur. Lui, il va parler par exemple de la différence entre l'échelle en C et en Pascal, mais ça peut être plein de choses. Il faudra toujours, au bout d'un moment, on peut dire, ok, là j'utilise quelque chose, mais je ne sais pas du tout ce qu'il y a derrière, il faudra que j'aille regarder ce qu'il y a derrière, et vous découvrirez plein de choses. En secouant le tapis, à chaque fois, on dit, c'est juste ça, mon Dieu, comme ça fait pour marcher. En gros, tout net, tout web, c'est mon Dieu, comme ça fait pour marcher. Donc ne sous-estimez pas la valeur du travail collaboratif, voilà, parce que vous ne serez jamais en mesure de tout connaître, donc il faut être une équipe. Internet est une équipe. Alors ça commence, premier point, il faut penser robustesse, rigueur. C'est le premier point. Si vous voulez avancer en sécurité, il faut rendre votre code beaucoup plus robuste, beaucoup plus rigoureux. Et c'est souvent la grosse différence entre un jeune développeur et un développeur plus expérimenté. Donc là, c'est juste un petit exemple, c'est pour montrer une fonction en PHP qui fait n'importe quoi. Mais ça fait ce que ça fait. On lui demande de remplir des tuiles dans un array à partir d'un objet d'un array passé au paramètre. Voilà, ça fait deux lignes et ça fait ce qu'on lui demande. Sur un prototype, ça marche. Sauf que si jamais vous ne passez pas les bons arguments, ça peut faire des warnings et ça peut même faire un safe for PHP. Si l'attribut n'existe pas, ça s'arrête. Et donc, à peu près le même code écrit quelques années plus tard, vous ne laissez pas le lire en entier, donc vous pouvez regarder à peu près. Mais voilà, il y a de la description, il y a des interfaces, il y a des tests. Des tests. Est-ce que vraiment ma clé existe? Je jette une exception si les clés n'existent pas, etc., etc. La phrase importante, elle est en haut. Be conservative in what you do, be liberal in what you accept from others, qui veut dire qu'il faut être vraiment très tolérant avec ce qu'on va recevoir, c'est-à-dire regarder ce qu'on a reçu, vérifier que ce qu'on a reçu, c'était bien ce qu'on avait. Et par contre, dans ce qu'on fait, il faut faire très attention à ce qu'on fait. Donc on est très tolérant avec ce qu'on reçoit et on fait très attention à ce qu'on fait. C'est ça la robustesse. Le code peut être très long pour la même chose. On jette des exceptions et on vérifie, etc. Ça rend le développeur plus lent à développer. C'est-à-dire, il est lent. Par contre, le code, il est beaucoup plus maintenable et il tient bien mieux sur la longueur. Là, je vous ai mis une petite phrase qui vient de Twitter, donc elle est en anglais, mais en gros, ça dit, si vous avez toujours voulu, si vous voulez voyager dans le passé pour vous battre avec vous plus jeune, devenez développeur. Le jour où vous passez derrière votre code, vous vous dites, mais pourquoi j'ai écrit ça comme ça? C'est toujours comme ça. Et la robustesse, pourquoi c'est important en termes de sécurité? Puisque donc l'attaquant, lui, il triche. L'attaquant, il essaie de ne pas respecter les règles. Et lui, il a cette rigueur, c'est-à-dire, lui, il sait que le x égale 0, il n'avait pas prévu le nombre inférieur ou le dépassement d'entier, vous n'avez pas prévu ce qui se passait, c'est que votre entier dépasse l'entier maximum et qu'il devient négatif, etc., etc., etc. Lui, il sait les cas limites, comme un alpha tester, si vous voulez, il utilise tous ces cas limites pour faire planter votre application. Donc, un code peu robuste est un code non sécurisé. Toute erreur démontre une absence de robustesse et peut être potentiellement exploitable. Elles ne sont pas toutes exploitables, sinon il n'y aurait que des bugs de sécurité. Mais voilà, très souvent, il suffit déjà de regarder la liste des bugs et on se dit, oh, mais en fait, ça a un impact en termes de sécurité.
Donc les failles, justement. Alors les failles, quand elles existent, premier point, on essaie de les classifier. Il y a toute une base de données qui s'appelle les CVE, Common Vulnerability Exposure. C'est toujours utile de regarder les CVE, mais ce qui est intéressant, c'est que chaque faille est classée sur plusieurs points, c'est-à-dire quel est l'impact de cette faille sur la confidentialité des données, sur l'intégrité des données, sur la disponibilité du service, quelle était la complexité d'accès à cette faille, c'est-à-dire qu'il faut déjà avoir un compte parce que c'est accessible aux anonymes, en gros. Donc ça, c'est l'authentification, hein, qu'est-ce que la complexité d'accès, c'est à peu près la même. Et est-ce que ça provoque une escalade de privilèges? Mis en route comme souvent non plus cette semaine, depuis voilà. Et quel est le type de vulnérabilité? Donc là, je vous en donne juste deux liens, mais il y a une CVE qui date de 1999 sur mode proxy, qui était un déni de service de Apache, puisque en envoyant juste la bonne chaîne de connexion, vous faisiez planter Apache. Donc là, petit peu. Une autre CVE en 2013 sur PHP, dans le traitement de SOC. C'est des exemples, juste si vous regardez à quoi ressemble le CVE, il y en a plein qui sortent tout le temps. Donc elles ont un score, par exemple, celle de 99, elle a un score de 10.0, on ne peut pas dépasser. C'est énorme, c'est-à-dire juste vous envoyez une chaîne à ce moment-là, le service d'eau. Donc les principales facs qu'on va trouver, pour moi, il y en a vraiment de trois types. Alors, si vous avez regardé sur le WASP notamment, il y a, je ne sais pas, 50 ou 60 familles de facs, mais principalement, il y a trois types, il y a le déni de service, l'information disclosure, donc la fuite d'information et l'injection. Le déni de service, c'est assez simple. Vous arrivez à faire en sorte qu'un service qui est censé marcher ne marche plus. Et donc, voilà, le site qui est censé fonctionner ne fonctionne plus. Donc, ça ouvre le champ au chantage ou des choses comme ça. Comment on fait? Monopolisation des ressources, trop de sockets, trop de fichiers ouverts, trop de mémoire, trop de processus serveur, plus d'espace sur disque dur. D'espace sur disque dur, il y en a des jolis qui sont sortis en ce moment. Enfin, traitement trop long. Si vous faites une requête HTTP, vous savez en la changeant un petit peu qu'au lieu de la traiter en 2 secondes, ça va être traité en 30 secondes. Voilà, ben vous le lancez 30 fois, il y a presque plus de process disponible pour traiter les vraies requêtes des autres. Destruction des ressources, donc là c'est comme tout à l'heure avec notre proxy, si vous faites cracher le serveur ou si vous faites cracher un process. Et autres. Alors, autres, cache poisoning, DNS poisoning, vous pouvez avoir le site qui fonctionne très bien, mais tous les agents devant, ils répondent à autre chose. DNS poisoning, tous les gens, au lieu d'aller sur le site, ils vont sur un autre. Tout ça, c'est du déni de service. L'information disclosure, c'est aussi assez simple. Le principe, c'est de dire, voilà, vous donnez trop d'informations. Donc, vous ouvrez, vous diffusez des choses que l'attaquant pourra utiliser pour mieux cibler son attaque. Là, par exemple, j'ai fait juste une recherche sur Google de Notice Undefined Index in bar WWW, donc type de message PHP, et je tombe sur un site web où effectivement j'ai le chemin complet du site web, et en plus je vois qu'il s'est fait indexer comme ça sur Google, il doit avoir des problèmes. Visiblement. Je connais le langage du site, je connais le chemin. Voilà, je peux estimer sans trop de risque que le site n'était pas très sécurisé. Et je peux après essayer de manipuler, je sais combien de points je dois remonter pour essayer de retrouver un TCP passeport, par exemple, sur l'inclusion ou des choses comme ça. L'information d'exclusion, il y en a à plein d'endroits. Il y a des sites web qui donnent des messages trop forts, mais là, par exemple, ça, c'est juste des entêtes HTTP. Et là, sur une réponse d'un site web, je vois que le serveur, c'est un Apache 220 Unix mode SSL 220 ou SSL 09, etc. Et PHP aussi m'a rajouté un petit entête. Explorer by PHP 5.2.13 PLPOS Gen 2. Là, je connais plein de choses sur le serveur. Je sais même que c'est une Gen 2. Donc, et ça, la plupart des gens le savent pas. Juste les entêtes HTTP, il y a aussi plein de fuites d'informations. À titre de comparaison, si vous regardez les entêtes HTTP sur Reddit, il n'y a presque rien. Et serveur, c'est marqué code point virgule dans le table serveur type. Donc, au cas où vous avec les entêtes de serveur, oui, tant de petites injections. Mais c'est pour dire, voilà, il faut regarder un peu ce que ça diffuse. Donc, s'il faut retenir, le but c'est de ne pas faciliter la tâche à la client, de ne pas lui donner la liste des failles qu'il peut tenter. Si vous lui dites tout, il sait la liste de ce qu'il peut tenter.
Un serveur qui parle beaucoup trop, ça veut aussi dire qu'il n'est pas très sécurisé, donc c'est aussi que l'assaillant allait plus loin, à se dire, oh, je vais fouiller un petit peu. C'est dommage, si au moins il avait pu se dire, oh, je vais aller chercher quelqu'un d'autre. Et puis voilà, chaque information peut être réutilisée. Pensez social engineering, le site de tout à l'heure, on pourrait penser, je l'appelle, je dis oui, je suis spécialiste, j'aime tout, oui, pareil, vous avez un problème sur votre serveur, etc. On va vite passer. Plus vous avez d'informations, plus vous pouvez les réutiliser. Donc, tant qu'à afficher des informations inutiles, on peut aussi, si on a le temps, deuxième petite couche, tromper la série. Dire oui, bonjour, ça c'est un serveur IIS sur Windows, etc. Regardez ce qui tombe. Et la dernière grande famille, les injections. Donc, moi, ce que je dis, c'est presque toutes les failles sont des failles. Failles d'injection, si on veut. Et il y a quelqu'un qui le dit en anglais un petit peu mieux, qui dit en gros que l'injection SQL, ce n'est que un cas spécifique de ce qu'on appelle une mutation d'arbre syntaxique. Et que, en fait, ça existe dans tous les langages et que tout est langage. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on peut faire de l'injection partout, tout le temps. Par exemple, du HTML. Alors, pas de JavaScript, du SQL, etc. Mais rien que déjà du HTML. Vous avez un site web qui fait un écho de $get. Ça veut dire, je réaffiche sur la page web ce qu'on m'a donné dans l'URL. Et donc, si dans l'URL j'écris du HTML, eh ben, je fais un écho de HTML dans la page. Donc là, j'ai laissé à l'utilisateur la possibilité d'injecter du HTML dans une page, juste en changeant l'URL. C'est juste du HTML. Au début, on se dit c'est pas grave. Sauf que pour HTML, je peux injecter tout un formulaire, réutiliser les classes CSS du site, le mettre en pop-up devant, venir ressaisir mon mot de passe passeport et changer juste l'endroit où ça poste vraiment les données. Ça, c'est que du HTML, c'est même pas du JavaScript. Et l'injection HTML, ça va beaucoup plus loin si on y pense. C'est-à-dire le nombre de sites qui vous laissent changer les classes, les idées, les choses. On peut réutiliser tout ce qui est sur le site. Donc, déjà, l'injection HTML, le premier type d'injection, déjà, c'est un peu compliqué à gérer normalement. Après, vous avez l'injection niveau plus, qui est l'injection de JavaScript. Sur la même, si on s'amuse à rajouter un attribut onLoad alert XSS, etc. Donc là, on voit toujours le principe de l'injection, c'est de casser la chaîne et puis de terminer la chose plus loin, etc. Je me suis injecté, je me suis calé à l'intérieur d'un attribut. Et là, j'ai rajouté du JavaScript. Donc, ce qu'on demande aux testeurs de sécurité souvent, c'est de faire juste afficher une pop-up alert XSS, mais en JavaScript, on peut faire tout. Le but, c'est pas d'afficher une pop-up alert XSS. La vraie XSS, vous ne la verrez pas passer. Parce que ça va charger une source distante qui va tout changer sur le site, qui va enregistrer les cookies, qui va changer la destination du formulaire de login, plein de choses comme ça, mais vous ne verrez rien. On peut tout faire. Et donc, tout ça s'appelle le XSS, Cross-Site Scripting. Ça s'appelle. En gros, plein de sortes de XSS, etc. Mais le XSS, si vous êtes développeur web aujourd'hui, vous ne connaissez pas encore le XSS, voilà, commencez par ça. Il y a plein de choses à apprendre. Quand vous regardez un site web pour tester le XSS, etc., vous commencez par regarder le moteur de recherche dans le site. Dans le moteur de recherche, vous avez simple code, double code, fin de tag, un petit tag HTML, après genre H1 test. Vous regardez si ça ressort. Déjà, si le HTML ressort, après vous passez d'essayer de taper un alert XSS, et il y a plus de la moitié des sites en France qui sont sensibles au XSS. Facile. Il y a les moteurs de recherche et il y a les codes SEO. Beaucoup de sites, derrière, après le développeur, il y a quelqu'un qui vient pour faire la SEO, qui met des petits tags Google, et par exemple, dedans, il va avoir le titre de la page. Si le titre de votre recherche est le titre de la page, voilà, vous êtes déjà directement dans le code de SEO, vous êtes déjà dans du JavaScript. Souvent, c'est pas géré le fait que si vous mettez une cote, ça va terminer la chaîne, quelque chose comme ça. Donc, le XSS, c'est déjà très très compliqué de corriger tous les XSS sur un site. Aujourd'hui, il y a des protections dans les navigateurs, mais on peut toujours passer outre les protections qui sont dans les navigateurs. Alors, HTTP. HTTP, déjà, par exemple, GET et POST, c'est pas la même chose. Donc, tous les deux, on peut les manipuler, les transformer, on peut les capturer et puis les modifier. Ça, il n'y a pas de différence entre les deux. Un poste aussi, on peut le manipuler. Ce qui est important, c'est que GET est indorpotent, d'après la théorie. Indorpotent, ça veut dire que le même GET, j'ai le droit de le rejouer 200 fois, c'est pas grave.
poste, je n'ai pas le droit de le rejouer. Un poste, il a le droit de changer quelque chose dans le système d'information. Sauf qu'il y a plein de sites web dans lesquels le GET, il n'est pas encore photo. Si votre formulaire de logout, c'est un GET, si je tape user logout et que ça me fait un logout, c'est pas bon, ça ne devrait pas être un poste. Et c'est pas bon parce que les GET, il y en a partout dans une page web. Une image, c'est un GET. Une CSS, c'est un GET. Et partout où le navigateur voit des GET, il a le droit de les jouer tout seul, puisque c'est un ordre photo. Donc il les joue tout seul. Une image, il la joue. Une favicon, il la joue. Et donc, si quelqu'un vous pose dans les commentaires ING, CRC, User, Logout, vous êtes l'admin, on dit bah, à chaque fois qu'on va sur la page de ce forum-là, on est délogué. Et vous y allez en admin pour aller dire, aller enlever ce commentaire, vous êtes délogué quand vous arrivez sur la page. Voilà. Donc c'est super embêtant. Donc, un GET et un POST, c'est pas pareil. Et puis, alors, si l'autre vous a rajouté un user delete 42, et votre CMS il autorise de faire un delete user 42 sur un GET, vous avez encore plus de problèmes. Voilà. Donc, normalement, il ne faudrait pas des GET. Si jamais vous trouvez que c'est plus pratique avec des GET, utilisez l'AJAX par-dessus, ou des choses comme ça pour transformer en POST. Utilisez une page de confirmation, ou n'importe quoi. Mais il faut passer par un POST normalement. Il y a des navigateurs qui préfèrent des liens sur les pages. Avec des petits plugins pour aller plus vite. Donc, si vous naviguez avec ça sur l'admin et que les users se délètent sur des guests, ça fait. L'injection, pareil, HTTP. Alors, ça, moi, c'est un petit peu random. Il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent ça. C'est assez rigolo. C'est tout ce qui concerne l'empoisonnement de cache, la contrebande de HTTP, la division de réponse. Contrebande HTTP, en anglais, ça se dit HTTP. Smuggling, division de réponse, c'est response splitting. Et là, c'est joué sur comment différents acteurs dans la chaîne comprennent le HTTP. Et le HTTP 1.1 déjà, parce qu'il y a deux carrés. Mais dans la chaîne, maintenant, on a des proxys, des reverse proxys cache, des choses comme ça et tout. Et des fois, tout le monde ne comprend pas le HTTP exactement de la même façon. Donc, on peut réussir à cacher le HTTP comme le HTTP et obtenir des choses très bizarres. Les premiers rapports sur tout ça, c'était en 2005, ça date quand même, ça fonctionne encore dans pas mal de cas. Par exemple, au tout départ, dans PHP, dans les redirections, ça fait une location qui revient dans un header, et on pouvait mettre des retours à la ligne et continuer à taper d'autres headers HTTP. Ça n'en peut plus dans PHP. Mais principalement, tout ça, ça va se jouer pour que les acteurs ne comprennent pas le HTTP pareil. On va essayer de jouer sur la taille des messages transmis. Dire je te transmets une petite requête, et en fait, je te transmets une grosse, et puis dedans, il y en a plusieurs, et l'autre l'acteur va venir, lui, il va en avoir quatre, donc il va envoyer quatre réponses, etc. Ça se joue sur le content length, le chunked, les choses comme ça. Et dans ce type de domaine, HAProxy, c'est votre meilleur allié. Il n'y a pas de meilleur logiciel aujourd'hui dans le monde pour comprendre l'HTML proprement et bloquer tout ce qui est bizarre. Les vieux acteurs ne sont pas très très bons. Ils autorisent beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses et pas tous les mêmes choses. Alors, j'ai deux faces machina à faire gagner. Il y a deux erreurs dans cette réponse HTTP qui vont une erreur dans la réponse. Oui, alors, oui, le corps de la requête est vide, c'est parce que ouais, je ne vous ai pas mis le corps de la requête, c'est juste les entêtes. Virgule publique, c'est bon. Deux fois la même entête. Deux fois la même entête, et quelle entête? Ouais, c'est ouais, entre deux fois, c'est qui a mis le premier, celui-là? Tu as gagné une tasse à la finale. Et il y a une deuxième erreur. Allez, vous dire. À qu'est-ce qu'on sera à l'origine? Non, c'est une vraie entête qui a le droit. Et elle est un peu large, non? Ouais, elle est un peu large, ouais. Souvent. Ça joue pareil, on n'est pas loin de content length, ça joue sur le type de réponse, la taille du message. Ouais. Voilà. On a chunked, ça veut dire que je vais transmettre le message petit bout par petit bout au fur et à mesure. Si je vous dis avant qu'il y ait une taille définie, c'est pas bon. J'ai le droit de le transmettre petit bout par petit bout. Et donc certains acteurs vont prendre le content length et d'autres vont dire non, mais moi j'attends qu'il ait fini d'envoyer ou des choses comme ça. Donc, voilà, et alors là, on peut faire du HTTP. Cette semaine, normalement, j'en ai un qui sort sur Arch, en CVE, tout ça. Il y en a plein.
plus il y a d'acteurs, plus il y a de problèmes. Au final, par exemple, les doubles entêtes, ça, on en trouve plus beau. Ça commence à être corrigé au fur et à mesure. Mais il y en avait encore dans Varanti, je crois, des choses comme ça, il y a 3-4 ans. Ce que tu disais sur un chef protéine, du coup, tu mets systématiquement un chef protéine. Souvent, en tout cas, je peux dire, ce serait mieux. Enfin, si vous avez des problématiques de ce type-là avec pas mal d'acteurs sur la chaîne, un chat proxy dans la chaîne, ça peut vous servir. Il va. Il bloque la requête, il vous envoie vos requêtes. Dès que c'est pas trop normal. Dès qu'il va avoir une requête vraiment bizarre, lui, c'est le meilleur acteur parmi tous les autres acteurs pour comprendre qu'est-ce que c'est vraiment le HTTP 1.1, après les dernières RFC, etc. Après les. Oui. Le chat proxy, tu le mets en plus d'un page ou d'un Unix, ou tu peux le remplacer En plus plutôt. En plus, tu le mets avant ou tu le mets après Avant. Devant. Avant un page. Après, on peut se servir de chat proxy pour plein de choses. Moi, ce que je fais, ou ce que d'autres font avec, ce que je vous dis, c'est si vous voyez un article qui parle de chat proxy, allez lire ce que ça fait. Vous ne perdrez pas. Il y a tellement d'acteurs nouveaux, de nouveaux logiciels, de plein de choses. Il y a des serveurs HTTP nouveaux dans tous les sens. HAProxy, c'est un de ceux qui peut valoir le coup de l'étudier et de voir où ils peuvent trouver sa place dans votre chaîne. Ce ne sera jamais du temps perdu. C'est un développeur français et hyper très très fort, de petit génie. Alors revenons au cas que normalement tu connais déjà, qui est l'injection SQL, qui n'est qu'un seul type d'injection. L'injection SQL, tu vois, ça fait quand même au moins 15 20 ans qu'on essaie d'en parler, même à l'école. Donc normalement tout le monde sait qu'il faut éviter les injections SQL. Donc là, le but, c'est de réussir à injecter du SQL dans du SQL. Et là, on a un exemple typique sur le traitement d'un formulaire de login. La personne écrit sa requête lui-même et il dit « Ok, je vais chercher le user vers le login est égal au login que j'ai reçu et le password est égal au password du password que j'ai reçu. » Et il met tout ça directement dans sa requête et il lance la requête. Et là, il peut y avoir des gros problèmes, puisqu'on peut s'amuser à taper dans le password du code fin de password or 1 égale 1. Si vous faites l'exercice mental de remettre ça dans la requête précédente, vous allez voir si ça fait du SQL valide qui dit soit le password est bon, soit 1 est égal à 1. Donc c'est toujours bon, quel que soit le password. Et là, vous rentrez. Mais on peut faire d'autres choses, comme à la place ne pas vouloir entrer et juste envoyer en SQL drop table user. Il y a énormément d'applications. Le user qui fait l'enquête select, il a aussi le droit de dropper les tables. Boum. Donc l'injection SQL, ça fait mal. Sur la réalité, comme je vous disais tout à l'heure, sur Drupal, l'injection SQL, les gens se sont servis de façon très fine pour aller écrire des données dans certaines tables de Drupal à des endroits très précis. Pour que le routeur prenne en compte certaines requêtes et les dirige vers d'autres scripts PHP ou des choses. Ou lancer des evals PHP. Regardez. On peut tout faire, des fois. Donc, sécurité, on bypass la sécurité d'accès, on peut détruire, on peut modifier des données et on peut extraire n'importe quelle information. À partir du moment où il y a une faille d'injection SQL, on peut extraire toute la base si on a du temps. C'est-à-dire que certaines, c'est très facile. Et si c'est très compliqué, on peut faire des extractions basées sur le temps. D'ailleurs, dans le SQL, écrire « Ok, si le troisième caractère de la deuxième table, de la troisième colonne est un A, fais une boucle de 3 secondes, sinon, envoie-moi le résultat tout de suite. » Et si la requête met 3 secondes de plus que l'autre, à revenir, c'est que dans la troisième colonne, le deuxième caractère, c'était un A. Et comme ça, on peut extraire toute une base, en se basant sur le temps. Au pire, c'est le pire, mais voilà. Il suffit d'une injection SQL, on peut extraire toutes les données. Aussi, il faut faire juste avec les toiles et on a un résultat. Alors, il y a plein de moyens de se protéger de ça, il y a des très bons moyens et il y a des très mauvais. Alors, le pas bon, qui marche un peu, mais c'est pas bon, c'est d'échapper les cotes. On a terminé une chaîne avec une cote, ben moi, si quelqu'un me donne une cote, je mets un 10/ cote, avec 4 slash list, des choses comme ça. C'est la base, c'est pas bon. Puisqu'il y a plein d'autres manières, plein de moyens de mettre des codes sans que ça ressemble vraiment à une code. Donc la vraie méthode, par exemple, à la place de celle-ci, c'est normalement d'utiliser l'échappement qui est fourni par la base de données. Comme en SQL, en PHP, vous avez MySQL Real Escape String. Il y a aussi un MySQL Escape String qui n'échappe pas tout. Donc celui-là, il échappe tout.
Et donc, il échappe nul anti-stachique 0,0 de la chaîne. L'anti-stachique 0,0, c'est le caractère nul. Il est sympa avec on touche au C, le caractère nul, c'est un peu comme les dépassements d'entier, c'est des trucs relatifs. Ça existe encore, eh oui. Les codes, les doubles codes, certains caractères avec des fuites bizarres, etc. Tout ça, c'est géré. Ça n'est pas géré dans l'autre. Mais ça n'est pas la meilleure méthode. La méthode ultime, c'est les requêtes paramétriques. Donc la requête paramétrique, c'est dire, ok, je fais une requête, mais dedans, j'écris que j'ai un paramètre login et un paramètre password, et sinon, j'ai un array de paramètres, et je vais donner au moteur SQL la requête et les paramètres. Et qu'est-ce que c'est qu'une injection? Comme je disais au début, c'est une injection dans un arbre syntaxique, une mutation d'arbre syntaxique. Là, le moteur SQL, il va analyser votre requête, il va en faire un arbre syntaxique, le langage SQL, voilà, il trouve tout l'arbre. Et il se réserve des endroits pour dire, là, c'est des paramètres. Et une fois qu'il a fait l'analyse de la requête, il vient coller les paramètres dans la requête. Si vous ne faites pas comme ça, au moment où il analyse la requête, il prend vos paramètres pour du SQL et il fait un arbre syntaxique avec vos paramètres qui deviennent du SQL. Dans une requête paramétrée, les paramètres viennent après l'analyse de l'arbre. Donc, ne sont jamais considérés comme une partie du langage SQL. Ils ne sont que des paramètres. Ils ne peuvent pas être du SQL. Donc, la requête paramétrée fait qu'il n'y a jamais d'injection. Si vous faites des requêtes paramétrées, il n'y a jamais d'injection SQL. Jamais, jamais, jamais. Sauf si, dans votre CMS, etc., vous donnez ça à une classe, vous dites tiens, voilà la query, voilà les paramètres, et derrière, il y a un développeur. Il y a eu l'idée de dire, ah ouais, mais avec cette version de SQL, je ne sais pas le faire. Je remets moi-même les paramètres dans la requête sans te le dire. Ça arrive. Donc regardez un peu le code. Mais si ça va vraiment jusqu'au serveur en deux parties, il n'y a pas d'injection SQL. Et donc on arrive justement à comment on se protège. Il y a trois grands sujets, les entrées-sorties, sécurité en profondeur et blindage de configuration. Donc les entrées-sorties, ça c'est le grand principe du keep it stupid simple qu'on appelle. C'est le fait de se dire, il faut vraiment voir un peu tout comme étant une boîte noire avec des entrées et des sorties. Un type de pensée qu'il faut avoir en regardant un programme, il faut essayer de le penser comme ça. Donc j'ai ma boîte noire, j'ai mes entrées, argument 1, argument 2, des globales, et j'ai mes sorties, des écoles d'erreur, des exceptions, des résultats. Mais ça va plus loin que ça. C'est-à-dire qu'une boîte noire elle-même se décompose en plusieurs sous-boîtes noires. Quand vous regardez votre code, vous devez essayer de le penser comme étant voilà, vraiment des fonctions qui ont des entrées, qui ont des sorties. Toujours comme ça. Et en le pensant comme ça, vous pouvez voir votre application globalement comme étant une boîte noire qui prend en entrée plein d'entrées différentes, des cookies, des requêtes HTTP, des arguments dans les requêtes, des données qui viennent du SGBT, des données de configuration, et qui a des sorties différentes. Il y a des sorties, celle-là on la connaît forcément, les pages web HTML. Ça, oui, ok. Mais en fait, il y a plein d'autres sorties. J'ai écrit dans la base de données aussi, de temps en temps, depuis l'application, notamment depuis le back-office. Et ça, c'est une sortie de mon application. Et des fois, je veux des fichiers CSV, et des fois, je veux des fichiers JSON, et des fois, je veux, etc., etc. Tout ça, c'est des sorties. Il faut vraiment avoir la vision des entrées et des sorties de son application, puisqu'on ne traite pas pareil les entrées et les sorties. Les entrées, on les valide. Et les sorties, on les filtre. C'est les deux mots après. On valide les entrées, on filtre les sorties. Donc, on valide les entrées. Je jette tout ce que je pense que je devrais jeter. Si je peux, je jette. La plus simple des entrées, qui est super facile à valider, c'est un entier. Donc si votre application fonctionne principalement avec des entiers, voilà, vous êtes dans le paradis. Parce qu'un entier, vous le recevez, la personne n'a plus, si tu n'as plus d'injection, n'importe quoi, vous le castez en entier, vous aurez soit un 0, un 1, un 2, mais vous aurez un entier, très facilement. C'est super facile de dire soit j'ai un entier, soit j'ai pas un entier. Si vous avez des tailles, enfin, vous avez vérifié les tailles min et les tailles max. Très souvent, on autorise à faire rentrer du texte. 3 gigas de texte en commentaire, ça peut commencer à faire mal. Donc il y a des tailles min et il y a des tailles max. Utilisez des listes blanches dès que vous pouvez, c'est-à-dire si vous avez qu'un argument, il ne peut prendre que 4 valeurs, pourquoi vous attendez si vous auriez une 5e valeur? La liste blanche, dès qu'on peut, on fait des listes blanches. Et sinon, il faut essayer de rester dans l'ASCII 7 avec peut-être quelques caractères. Parce que ça, c'est facile à filtrer aussi. Voilà, c'est que de l'ASCII 7, que des caractères très simples. Je dirais, ou dans le marque, vous allez pouvoir ajouter des rejets, ce que vous voulez, va filtrer très très facilement. Sauf qu'on ne peut pas appeler ça au client. Au bout d'un moment, vous avez le vrai problème qui est le texte brut. Et le texte brut,
en espérant que ce soit plus des fuites et pas des encodages de niveaux bizarres, ça peut devenir très très vite très problématique. Là, vous avez un petit dessin de XKCD où il s'amuse avec le U202R, qui est un caractère unicode, qui dit maintenant le texte il se lit dans l'autre sens. Il y en a 4-5 comme ça qui servent à gérer. Genre, j'écris de mettre droite à gauche et à l'intérieur, je mets un mot de gauche à droite ou des choses comme ça. Donc, ça, c'est un des caractères bizarres du TFU. Il y en a plein d'autres dans les TFU, des caractères bizarres qui font des choses bizarres. Et puis, il y a le TF16, et puis il y a le TF2, et puis il y a les autres encodés. Dès qu'on arrive dans le monde du texte, ça devient très compliqué. C'est très compliqué à filtrer. Enfin, en tout cas, déjà, à valider en entrée, c'est compliqué. On ne peut pas le valider en entrée. C'est des projets comme Drupal qui disent, OK, nous, on ne valide pas le texte en entrée, on fait que les filtres en entrée. Et retenez une chose, voilà, on ne passe pas du HTML avec une regex. Vous avez l'entrée sur Stack Overflow, qui est toujours rigolote à regarder, si vous voulez. Enfin, ça fait ça, tout ça c'est du HTML avec du TFX. Il y a des caractères rigolos là. Par ces spots, oh, c'est mieux. Donc voilà, on ne passe pas avec des regex de HTML. C'est plus compliqué que ce que vous croyez, HTML. Et faites attention au message de rejet, c'est-à-dire votre contenu est invalide. Je te renvoie en disant que votre contenu est invalide, s'il n'est pas filtré, ressorti. C'est peut-être juste ça qui vous met le code. C'est-à-dire que vous renvoyez le contenu invalide sur l'écran et un injection d'HTML ou de JavaScript. Donc validez les entrées, filtrez les sorties. Toutes les sorties doivent être filtrées. Et les sorties sont toutes différentes, elles sont toutes indépendantes. C'est pour ça que le filtrage, vous ne pouvez pas le faire en entrée, qui est une erreur fréquente de filtrer en entrée. Le filtrage dépend du canal de sortie. Quand vous faites une page HTML, il faut filtrer le HTML. Donc le filtrer le HTML, c'est des échappements HTML. Quand votre sortie est une URL, attention, c'est pas le HTML, vous pouvez avoir des URL, vous devez filtrer pour les URL avec l'encodage des URL. Ce n'est pas du tout les mêmes que l'encodage pour le HTML. Et quand vous faites une sortie CSV, il faut le filtrer pour le CSV. On retrouve aussi le principe de robustesse et de rigueur. C'est-à-dire que, ah oui, j'ai pas pensé à filtrer mon CSV pour les retours chariots et les virements. C'est pas que un problème de sécurité, c'est aussi un problème de robustesse. Donc, penser sécurisé, ça sert à penser robuste aussi. Penser à filtrer le JSON pour le JSON, etc. Le SGBD pour le SGBD, les noms de fichiers sur disque, et ben, ça respecte des règles. Un nom de fichier sur disque, il n'y a peut-être pas point point dedans, il n'y a peut-être pas des caractères comme son exclamation, des choses comme ça. Donc, chaque sortie, il y en a plein des micro-sorties, des choses, chaque sortie devrait avoir son filtre adapté. Voilà, une sortie non ou mal filtrée, c'est vraiment la base de la majorité des attaques sur le web. Et en fait, c'est là où on retrouve les injections de notre côté de l'attaquant. Donc voilà, valider tout, filtrer tout, c'est vraiment, comme je disais qu'il y a quelques pensées importantes à retenir pour vraiment commencer à coder sécurisé, celle-là, c'est la plus importante. Même quand on sort des banques, allez, loguer. Log qui va être ingéré par un logiciel voilà. Qui fait des trucs dessus. Qui peut-être va même l'afficher dans une page HTML un jour. Il y a ce qu'on appelle les stores de CSS. Comme ça, sont envoyés dans un site web et on attend. Et 3 semaines plus tard, ça ressort sur un outil. L'admin a regardé les logs. Donc il faut très vite identifier les entrées et les sorties. L'autre grand principe derrière, c'est sécurité en profondeur. On ne fait jamais confiance à l'étape précédente. Alors jamais. Essayez de ne pas trop faire confiance aux étapes précédentes. C'est avec le développeur qui dit oui, mais ça c'est déjà filtré par notre security, ou ça c'est déjà filtré par etc. Sauf que bon, il y a toujours un moyen de passer une étape, par exemple avec l'injection d'HTTP, on passe des strates, on passe le funnel, on passe le strat. Donc si à chaque strat vous avez des sécurités, voilà, au bout d'un moment il va s'arrêter, il va pas réussir à passer. Quand tu parles de strat, tu fais référence à genre mon firewall, puis mon Apache, etc. Ou aussi au sein d'un même module de code où je me dis je suis déjà passé dans mon validation. Si vous savez que vous êtes déjà passé dans la validation, il ne faut pas repasser deux fois parce qu'en plus, là, il y a d'autres problèmes de sécurité. Des fois, quand on applique deux fois un filtrage, par exemple, un filtrage qui est appliqué deux fois peut-être peut générer un contenu qui n'était pas attendu. Là, c'est pas pareil, mais quand même, globalement, au sein d'une application, c'est le CMS qui s'en occupe. Attention. Enfin, faites attention, quoi. N'ayez pas une confiance aveugle. Donc, le principe, voilà, c'est d'être paranoïaque, c'est des systèmes automatisés.
Vu que moi j'ai vu l'éléphant, c'est pourquoi c'est le combo qui laisse rentrer l'éléphant parce qu'il a les clés de la maison où il travaille et il a une carte d'identité, donc il passe. Et pourtant, c'est un éléphant. Mais, voilà, ce que je veux dire, voilà, c'est au final, c'est ça une attaque de sécurité. C'est quelqu'un qui a les clés. Donc, alors, un filtre de taille, par exemple, par exemple, la chaîne est trop grosse, il ne serait pas passé. Alors ça, un petit point, voilà, un projet que très mauvais en termes de sécurité et avoir beaucoup de succès. Donc il ne faut pas se dire, oh, mais il y a plein de gens qui l'utilisent, ça marche bien, tout le monde en parle. Tout le monde parle de ça sur Internet et tout. Voilà. C'est pas pour ça que c'est sécurisé. Donc ne surestimez pas vos pairs, quel que soit le domaine, quand vous commencez à regarder sur le tapis, vous serez surpris. C'est comme ça que ça marche. Toujours. Moi, ça me l'a toujours fait, jusqu'à présent. Ne surestimez pas les utilisateurs et surtout, pensez qu'il y a des commerciaux autour de tout ça. Le projet, il faut se vendre, il faut se valoriser. Les commerciaux, ça marche. C'est trop bien le truc. Derrière, il y a des équipes de développement qui disent oh, mais ils ne devraient pas dire ça. Mais c'est partout pareil. Voilà, donc un produit sécurisé, c'est souvent exactement le même qu'un produit non sécurisé. Fonctionnellement, pour l'utilisateur, c'est le plus important. Sauf qu'il a demandé beaucoup plus de temps à être développé. Et donc, c'est pas super valable commercialement pour un produit sécurisé. Quand les plateformes changent tous les ans, que le marché s'emballe toujours pour des choses nouvelles, etc., la sécurité a du mal. Aujourd'hui, la grosse mode, par exemple, ça va être l'Internet des objets connectés. En termes de sécurité, c'est une catastrophe. C'est que les startups qui doivent être les premières à sortir des objets connectés, à mettre dans les maisons des gens, que tous ces objets soient piratables, réutilisables, etc. Alors, on verra plus tard, quand on aura gagné le marché. Donc jusqu'ici, tout va bien. Voilà. Dernière étape en sécurité, et ça c'est celle qui concerne un peu moins les développeurs, c'est le blindage de configuration. Donc ça découle du principe de sécurité en profondeur, c'est-à-dire qu'il ne faut pas tout laisser reposer sur le développeur. L'admin a aussi une part, il faut connaître le système d'information, comment est hébergée l'information, à quoi ressemblent les configurations, etc. Donc là on touche au sysadmin, on a au moins dans ça la question. Mais on touche aussi à ce qu'on appelle, alors moi je fais un peu partie, ce qu'on appelle les DevOps, c'est-à-dire qu'ils sont un peu pas très bons au sysadmin, pas très bons en développement, ils se connaissent tous les deux, donc comme les options. Et là c'est assez important. Pour la sécurité, c'est même très très important, puisqu'il faut réussir à obtenir des projets qui sont isolés, qui sont cloisonnés entre eux, même si tombent sur les mêmes machines. Il faut restreindre des droits, il faut savoir, là j'ai besoin de droits d'écriture, là j'ai besoin de droits de lecture réellement. Pas de CHPOT 777, choses comme ça. Il faut superviser les ressources, se rendre compte que là ça ne va plus. Il faut connaître les configurations et il faut être conservateur. Un bon sysadmin doit être plus conservateur que, beaucoup moins hype que le développeur web. Je veux dire, que si tout le monde parle que de ça sur Internet, le sysadmin est là. Voilà. Il faut ça, il faut blinder les configurations. Alors là, c'est une petite dernière pour finir. Est-ce que, d'après vous, il y a un problème dans ces requêtes? Alors, vous dites qu'il y en a un, ça ne se voit pas. C'est des choses qu'on voit à peu près partout, c'est des requêtes de vente pour MySQL. On peut imaginer d'avoir une application où nos utilisateurs s'inscrivent, et puis dès qu'ils s'inscrivent, on leur crée une base avec leur nom, ça, et puis... Sauf que, en fait, il y a des petits caractères bizarres, là, où on devrait se dire, oh, quand même, le underscore, le pourcent, ça me dit quelque chose. Alors, pourcent, on devrait dire quelque chose, le pourcent, c'est un caractère de remplacement, comme quand on fait un like. Le underscore, en fait, c'est comme le pourcent, sauf que c'est qu'un caractère. Mais dans les likes, ça le fait. Est-ce que ça le fait dans les requêtes de vente? Bah, des fois oui, des fois non. C'est-à-dire que la vraie syntaxe, c'est ça. Ici, c'est pas la peine de l'échapper. Par contre, ici, il faut l'échapper. Pourquoi? Là, parce que là, vous affectez sur une base. Alors, c'est le nom d'une base de données slash toutes les tables, alors que là, vous donnez une table. La règle, elle est dans MySQL, hein, elle est là. Le caractère underscore et pourcent sont permis quand on parle de nom de database dans les grandes qui fonctionnent au niveau global ou au niveau database. Et par contre, quand on passe au niveau table, ils ne sont pas permis. Donc là, on parle de table, donc il faut les échapper. Un truc comme ça, c'est perdu dans un coin d'un terme SQL. C'est juste. Alors, ça, on les a trouvés sur Substack, les tests unitaires de MySQL.
mais qu'il n'y a aucune chance de les trouver. C'est pour vous dire qu'il y a toujours des trous dans une application. C'est, vous n'avez aucune chance de trouver perdu au milieu de la doc de MySQL qu'ils ont fait une règle aussi bizarre. Et donc il en restera toujours des trous. Et c'est juste un problème de connaissance. Vive les tests. Vive les tests. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ? La difficulté que j'ai avec les CVE, c'est comment, comment les juger, comment les identifier. Tu disais qu'il y avait un indicateur qui pense à cette problématique-là, donc la note sur 10. La classification que après, tu fais dans ta tête, que, machin, elle est pas formalisée par les CVE. Aujourd'hui, il n'y a personne qui classifie ces trucs-là. Enfin, moi, je sais que quand je vais dans CVE passé, je pose la question. Hop, CVE, il y a une classification au niveau des CVE. Enfin, après, quand on voit une CVE, il faut essayer de trouver ces pages-là. Si un peu ça peut dire, bon, là c'est complet, etc. Souvent, bon, c'est un peu caché parce que le but, c'est pas que tout le monde les lise, mais il y a du détail qui dit, ok, là il faut que le user soit connecté pour s'en servir. Donc ça permet, en regardant un petit peu le détail, et très souvent il va y avoir des liens vers l'annonce aussi. Développeurs, les discussions qu'il y a autour, toutes les CVE ne vous concernent pas très souvent. Et justement, le but, c'est de regarder, de se dire, ah ok, moi je ne suis pas concerné. Donc, selon les, en fait, là c'est CVE detailed, c'est pas, il y a, parce que du coup les CVE elles sont sur plein de sites différents. Ouais, elles sont principalement sur cve.mitre.org, mais après elles sont reprises par les projets open source. Red Hat, par exemple, fait un gros travail de documentation. CVE, etc. Le but, c'est ouais, chaque distrib a ses identifiants. Alors, les distribs refont les identifiants, mais ils essayent toujours de revenir vers l'identifiant ici, qui est partagé et comme. Par exemple, là-dessus, là, t'as pas le. Là-dessus, on va par exemple. Sur 10. Non. Parce que celle-là, elle est souvent trompeuse. Mais on voit que Red Hat, ils n'ont pas exactement la même numérotation, mais si on va sur ce site-là de Red Hat, on va retrouver. La référence à la vraie CVE. Et là, ça date, je ne sais pas si ça va encore sur leur site web, en tout cas, ce n'est pas dans le cache. Voilà, et après, il y a des détails, alors, ils donnent la liste de tous leurs packages, ils sont impactés, etc. Sur les CVE, on trouve quand même énormément de détails. Le plus souvent permettent de se dire ok, celle-là me concerne ou pas. Celle-là est vraiment grave ou pas. Il y en a des mineurs. Mais alors, par exemple, toi, quand tu consultes les trucs, tu regardes c'est quoi tes sources d'information, c'est ces entités Hacker News. Principalement. En plus, il y a des projets qui n'aiment pas faire des CVE. Par exemple, moi je parle d'HTTP smuggling, c'est des problèmes d'interprétation entre différents serveurs. Donc chacun va dire oui, mais c'est quand même l'autre qui comprend mal ce qu'on lui envoie. Donc chaque personne ne veut dire ok, c'est nous qui avons fait une erreur. Alors on corrige, mais on ne fait pas de CVE. On n'a pas fait d'erreur, on la corrige, mais on ne fait pas de CVE. Donc il n'y a pas toujours des CVE non plus. Des fois, c'est juste dans le changelog d'une release, c'est marqué contre la fixe ou quelques problèmes de sécurité mineurs. Il y a plein de projets qui n'aiment pas trop faire des CVE. Il y a des Nginx, Tarnish, etc. Il y a très très peu de CVE et pourtant il n'y a pas de fixe. Parce que c'est vrai que c'est aussi tout un travail de faire des CVE. Il faut enregistrer, il faut publier, il faut publier. C'est juste moi mon étonnement, c'est sur le. En fait, j'ai l'impression qu'il y a. Quand on lit un CVE et qu'on comprend. Enjeu, en fait, on les classifie en disant je peux y accéder de l'extérieur, ou il faut un compte sur la machine, ou il y a une installation privée, etc. Ce qui m'étonne, c'est qu'il n'y ait pas cette classification qui permettrait voilà, de filtrer en disant ceux-là, il faut que je les traite tout de suite, ceux-là, je les traite dans la semaine. Comme, voilà, on ne peut pas redémarrer un serveur tout le temps, redémarrer toutes les applications tout le temps, et donc pouvoir faire cet arbitrage. Il y a un peu ce côté, il faut comprendre tout ce qu'il y a en dessous. Ouais, il faut faire l'effort. Après, il existe peut-être des outils, je ne sais pas, il y a des outils qui font un peu de filtrage.
D'autres questions? Tout le monde a faim, allez, soif. Allez, c'est la liste.